Bien, ça a un impact sur la santé des gens. Hein? Ça coûte cher au système, ça, les soigner après. Qu'est-ce que ça dit tout le monde? L'impact sur la santé des patients? Bien, je pense qu'il y a des multinationales qui font des millions de dollars sur le dos de la santé des gens, des consommateurs, mais aussi des non-consommateurs dans la société. Je pense à la santé des gens. Je pense aussi au fonds que le gouvernement investit dans les soins de santé dus aux problèmes reliés aux fumeurs. Et je pense aussi à tous les produits chimiques qui sont rejetés dans l'atmosphère par les compagnies, les multinationales. Les mégots, une dangereuse pollution. Chaque année, environ 5 milliards de mégots de cigarettes sont rejetés dans l'environnement par les fumeurs de la planète. Saviez-vous qu'il fallait en moyenne entre 1 et 5 années pour qu'un mégot se dégrade dans un environnement aquatique et jusqu'à 12 ans pour l'environnement terrestre? Un mégot est susceptible à lui seul de polluer 500 litres d'eau, la rendant ainsi impropre à la consommation. Le mégot de cigarette arrive en tête de liste partout dans le monde comme le débris marin le plus abondant. Il contribue au décès de milliers d'animaux aquatiques car ces derniers confondent ces débris avec la nourriture. Chaque année, les États-Unis investissent plus de 11 milliards de dollars dans la collecte de déchets, dont 32 % sont des mégots de cigarettes. Non, je ne sais pas. Je crois que déjà dans la fabrication des cigarettes, on utilise énormément de produits chimiques. C'est ce qui a directement un impact sur l'environnement. Mais aussi, je crois que dans la culture du tabac, ça pollue énormément les terres et ça prend énormément d'hectares pour en fabriquer, alors qu'on pourrait utiliser ces terres-là pour l'agriculture, en fait. Donc, je crois que ça a un impact très nocif. Un impact immédiat, j'en ai aucune idée. Ben, je sais que ça a un impact négatif, mais à quel point c'est dommageable pour l'écosystème, je sais pas vraiment, j'ai pas de détails. Non. La culture du tabac, un désastre écologique et sanitaire. La culture du tabac, un facteur de pauvreté. Les cultivateurs sont plus souvent qu'autrement endettés dû à un système de contrats mis en place par les industries du tabac dans la majorité des pays producteurs, les industries accordant sous forme de crédit des semences, de l'engrais et des pesticides aux cultivateurs. Compte tenu que ces derniers s'engagent à vendre toute leur production à la même compagnie pour un prix fixé par celle-ci, les sommes récoltées n'égalent pas toujours le crédit de départ, ce qui ne permet pas aux exploitants de rembourser leurs dettes. Un cycle d'endettement s'installant et empêchant l'agriculteur de mettre un frein à la culture du tabac, ce sont donc les industries de cigarettes qui font fortune et non pas les cultivateurs. Saviez-vous que si l'on remplaçait la culture du tabac par les cultures d'aliments, plus de 15 millions de personnes pourraient être nourries? Le plan d'action. Le taux de tabagisme actuel se chiffre à environ 20 % au Québec. En novembre 2014, le gouvernement s'est fixé un objectif visant à baisser à 10 % le taux de tabagisme d'ici les 10 prochaines années. Plus de 50 organismes œuvrant dans le domaine de la santé endossent ce projet, l'intitulant 10 dans 10. Parmi ceux-ci, citons l'Association médicale du Québec, le Collège québécois des médecins de famille, l'Ordre des dentistes du Québec, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
La loi québécoise sur le tabac réglemente son usage dans les lieux publics. Les consommateurs étant dans l'obligation de consommer à l'extérieur des établissements publics, cette interdiction conduit malheureusement plusieurs fumeurs à jeter leurs mégots dans nos rues. Recyclez vos déchets avec TerraCycle. Chaque année, un grand nombre de mégots de cigarettes sont jetés dans la nature. Grâce à l'aide d'un fabricant de tabac canadien, les déchets collectés grâce à la Brigade des déchets de cigarettes seront recyclés en une variété de produits à usage industriel. Les déchets de cigarettes étant acceptés sont les suivants. Les cigarettes éteintes, les filtres de cigarettes, les mégots de cigares, l'emballage du paquet, les feuilles d'aluminium, le papier à rouler et les cendres. Mais comment réduire réellement l'impact du tabac sur l'environnement? On pourrait par exemple mettre des messages sur les paquets de cigarettes expliquant que les filtres sont toxiques et non biodégradables. On pourrait aussi penser à un système de consigne sur les mégots de cigarettes. Ou encore des amendes pour les fumeurs jetant leurs mégots sur la voie publique. Ou alors des taxes sur les cigarettes qui serviraient à financer les coûts du recyclage. On pourrait aussi opter pour l'option de faire payer aux industriels de tabac le coût de traitement, de ramassage et d'élimination de ces déchets. Et pourquoi ne pas interdire tout simplement la vente de filtres de cigarettes? Toutes ces solutions semblent intéressantes, mais la meilleure solution réside dans la sensibilisation des fumeurs face aux répercussions qu'entraîne le tabagisme. Au final, le Québec a beaucoup de pain sur la planche.